Yop tout le monde, on se retrouve. Là, c'est pour faire un 2v3 sur un petit colis, puis vous annoncer quelques petits trucs. Donc c'est du 2v3, là vous voyez on prend mon 3v3, mais comme vous le voyez, le diesel bug tout de suite, il va se déco, on n'aura pas besoin de du combat. On y va, vous voyez là, un peu en mode rush, il y a 30 attaques on site, donc c'est nos avantages. Quoi dire d'autre? C'était à lancer le bêta. Donc c'était pas la bêta, je sais pas, enfin la bêta du TP Reboot, non, il me semble que c'est mardi 9, donc c'était celle d'avant. Donc pour tout vous expliquer, c'est que j'ai dit sur mon blog que je faisais une promesse, que je la tiens toujours. Pendant, j'ai dit que je publierais deux fois plus de vidéos, pendant là, 2-3 jours j'ai pas pu. Pour la simple et unique raison, on m'a coupé internet, donc logiquement sans internet on peut rien publier, donc là actuellement je suis pas chez moi. Et je peux pour vous dire, je peux même pas jouer à la Switch chez moi. Enfin, ni chez moi, ni chez mon ami. Donc c'était juste pour vous publier cette vidéo, puis deux autres ainsi, que j'ai publié juste avant. Donc voilà, donc ça sera un petit colis. Bon, c'est clair que mon micro, je pense qu'il est à chier là. Donc j'en suis navré d'avance. Et vous proposerez plus de gameplay. Donc vous vous en doutez bien que pour le jeu de l'ours, je n'ai pas pu le faire pour la simple et unique raison que je n'ai pas internet. On avait fait déjà 6 tentatives. On a failli. À chaque fois, bon bah on se retrouve face au l'ours, mon canetti, donc je me suis dit pourquoi pas tester la baguette maléfique, et en fin de compte ça s'est rendu plutôt utile. Mais le problème c'est que à chaque fois c'était moi qui étais assez dans la caca, vu que je suis un panda donc je picole, oui, mais ça faisait pas tout. Fallait un peu de drogue, ça allait du débuter, le yap proxé, hein, c'est pas le souci, et c'est pas au destin de tout. Mais il manque le don PA. Donc même s'il en dit 6, comme un bis, ça fait rien du coup. Donc j'ai préféré arrêter. Et puis me proposer carrément sur l'office. Je pense que sur l'office, ça sera plus clair. Il y a eu le changement de classe, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas, enfin, je vais changer de classe, mais je ne l'ai pas encore fait pour la simple raison. C'est que je n'ai pas de gamma en ce moment. Et quand je vous dis je n'ai pas de gamma, c'est, comment dire, je n'ai vraiment plus de gamma. Donc voilà, bon, on va revenir sur le combat. Donc, le combat c'est, Zobal, Sram et Yatrop 200. Zobal et Sram, je pense qu'ils sont dans la zone entre 150 et 170. Le Xel était 140, il me semble. Mon Sacré 154 et les Kai 153 ou 154. Comme vous voyez, le Zobal est 152. Donc voilà, on était déséquilibré déjà, puisqu'on est en 2v3. Et en plus, il y avait un 200 en face. Et je veux qu'on fasse 200, s'il a minimum opti, c'est assez chaud. Bon, après, par rapport à leur vie, on peut pas les pardonner, parce que je crois qu'il y a deux lettres qu'on a 3500, les autres 3000. Donc, ça fait 9200, en sachant que les K et moi, on en a 10 000, voire plus. Donc, voilà. Donc, c'était, le Rox vient spécialement des K. Moi, j'étais juste là pour du placement, pour patcher un peu le double et pour finir tout ça. Quoi d'autre? Le Srab, je sais pas ce qu'il a fait du combat. Je pense que c'est lui qui est mis dans la merde automatique. Je sais même pas s'il est air, terre ou feu. Je sais qu'à la fin il lance un petit réseau. Mais à part ça, je sais rien. Bien sûr, donc je vais faire une présentation, Steph Sacré et Steph et tout.
Parce que c'est un stuff qui est assez cheat, pour vous dire la vérité, pratiquement 500 puissance pour 200 300 éléments, c'est énorme. Tout en ayant des Dofus, bien sûr, 5 Dofus, il me semble. Donc voilà, c'est assez cheat, en sachant qu'il y a, je crois, 82 mages all. Donc voilà. Donc là, je suis un gros fake. Voilà. Et je suis dead. Donc là, je demande à mon pote s'il veut que le transpo, il me dit non, 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 passe. J'ai un peu près qu'à mettre. Ok, aussi, je dois transpo si vous avez la fiche de parce qu'il faut savoir quelle est la forcing class qui va fuir. Un peu comme les crabes. Et je les comprends, parce que vu leur portail s'ils sont bien passés, ils n'ont plus aucun risque. Donc là, il a oublié de refermer son portail. Il n'y a pas. Donc là, il prend des petits coups de bluff à 800. Hop, dernier bluff. Voilà. Et un tout pour rien qui fait 1300 dommages. Ce qui est énorme. Et là, vous voyez que l'Ostram n'a toujours rien fait tour 3. Ce qui est habituellement rare. Là, je vois qu'il commence à fuir. Donc, il y a 3 pour... je vais le finir. Enfin, je crois même qu'il va venir de lui-même dans le piège. Peut-être un petit misclic. Allez, faut bouger. Il faut que je joue pas. Bien sûr, je commente en différé, hein, faut bien le savoir. Enfin, toutes mes vidéos sont commentées en différé. Je peux les commenter directement. Mais il faut que. Comment vous expliquer? Je suis pas habitué à déjà commenter en différé. Donc je peux commenter en live, mais il faut que je sois tout seul pour être bien concentré et pour vous proposer du bon gameplay. Donc là, tour 4, il a mis. C'est assez rare. Enfin, fin de tour 3, début de tour 4. Pour le sacré, c'est assez rare. Et c'est en sachant que moi, personnellement, je suis Astram, j'ai le premier tour pour commencer un petit réseau, surtout qu'il y a des étapes. On a déjà vu des youtubeurs, quelques-uns, je dirais pas leur nom, qui ont fait quelques petits réseaux, enfin, un réseau piège plus un réseau des gâteaux, ça peut one tour un perso. Après voilà, moi je suis personnellement genre un jeu comme ça. Voilà, deux pièces à crière, un petit assaut pour finir et prendre tous les portails, hop là, du ménage, et là j'invoque une épée pour casser le réseau, parce que j'ai pas me dit qu'il faisait un réseau. Donc voilà. Je lance là, elle revient derrière. Je sais pas pourquoi. Donc là, mon pote normalement devrait rush. Ah non, il va partir vers la KO, c'est roulette PM. Je vais m'éloigner. Sachant qu'il est plus sacrifice. Donc ce que je vais faire. Moi, c'est que je vais essayer d'avancer à max. Le sacré est en 12-5, je pourrais le foutre en 12-6 avec un Vulbis récolté. Mon pote m'a dit mais un voyageur, j'ai dit non. Parce que je suis pas du tac et un sacré, je pense, hein, pour moi, hein, on part, il doit tacler les autres. Donc on voit que le SRAM est là-bas, il lui reste peut-être 9 PM, donc je pourrais pas savoir où il irait. Encore il en aurait 4 ou 5, on aurait pu savoir. Et là, non, c'est assez chaud. Donc, bien sûr, là, vous voyez qu'on est plus fort que 3. J'ai toujours quelques petits problèmes de connexion. Pourtant, c'est pas contre, mais bon, j'ai la fibre, j'ai... Enfin, j'ai tout ce qu'il faut et donc je sais pas si c'est le SRAM ou autre. Je sais pas si c'est le SRAM, c'est pas. J'ai la fibre, je comprends pas comment c'est internet. Enfin, bon, des fois je. C'est vrai que les factures sont pas payées. Compréhensible.
La facture n'a pas été payée. Voilà, ce mois-ci, je sais pourquoi. Hein. La facture n'a pas été payée. Donc, là, on voit qu'il y a des cas à faire contre tout. Et puis, ça me dit que j'ai le logo internet, mais je ne l'ai pas. Voilà. Tout pour rien, pour essayer de savoir s'il est là. Il n'y est pas. Donc, ouais. Donc là, je vois qu'il est là-bas. Je vais pas me casser les pieds longtemps. Je vois que le Xel joue pas. Enfin, vous pouvez considérer ça 2v3 ou 3v3, c'est à vous de décider. Parce que là, il invoque un deux. Il va tacler mon. Il va tacler l'état. C'est pas mon état, bien sûr. C'est celui de mon petit meurtre. Je le précise, même si je l'ai déjà précisé il y a 2-3 vidéos en arrière. Donc là, on voit que le Strambi, je lag. On n'a pas fait attention au CPM, hein, je vous le dis. Et donc là, je transpose, et c'est à ce moment-là que vous considérez si c'est du 2v3 ou 3v3, c'est à vous de décider. Donc, j'en Donc, tac, ça, et ça. Donc, Ratou, c'est le cheval qui est en face. J'ai fait quelques colis avec. Bah, il voulait que je colis avec. Voilà. Il y a une spéciale. Là, il sort de l'eau, il fait une perception, il le repère, et là, il va aller lui casser les fesses. Tout en restant poli, bien sûr. Excusez-moi. Il faut savoir que là, je filme, il est 8 à 28 du mat. Bon, là je suis en, comment dire, je commente, il est 8h28 du mat, en sachant qu'on est le 11 décembre, je sais pas quel jour j'avais filmé, je vois que c'était 7h40 et on était en décembre aussi, peut-être le 10, je sais pas, je peux pas vous dire, non ça doit pas être le 10, je sais pas, donc voilà. Il y aura une surprise aussi pour. Je vais faire une vidéo le jour de Noël. Il y aura une surprise. Je ferai juste la vidéo. Je la publierai peut-être quelques jours après. On va dire. Parce qu'en fait, sur Noël, ce sera l'une de mes dernières vidéos. Voilà. Donc là, je lui dis, je sacrifie ou je fais un assaut. Et je me suis dit, il est juste derrière moi, autant la tirer. Petit bug là, on va pour cliquer, voilà. Voilà. Donc rien de spécial, un petit colis de V3 pour ma part. Après, vous pouvez ça considérer ça comme du. Parce qu'il n'y a eu aucun rush sur le Xen, qu'on soit d'accord. Pourtant l'Exen nous renfonce très bien. Malgré que le mien je le passe en sacré. Donc, voilà. Bon bah les gens, moi je vous dis une très bonne journée à vous. Et puis bon jeu si vous voulez. Sur ce, à la prochaine, bye.